Señoras y señores. Damas y perros. Alors, Amira Mrah est une jeune femme algérienne et fière de l'être, de 27 ans. Qui est passionnée de la vie. Je suis titulaire de deux licences, une en traduction et une en marketing, en plus d'être certifiée en Zumba Fitness, et cela avec plusieurs grades. Après, je vais vous expliquer comment ça se passe avec la Zumba. Donc voilà. La Zumba, c'est un programme de sport complet qui va combiner entre du cardiovasculaire, donc le cœur va travailler automatiquement, avec du fitness, donc du renforcement musculaire, à de la danse, sur des rythmes à 80% latino. Le 20% qui va rester, ça va être des rythmes du monde. Elle a été créée dans les années 90 par un certain Alberto Pérez, surnommé Beto Pérez, qui a tout quitté pour aller vivre le rêve américain. Et donc la Zumba, elle a vu le jour en 2001 à Miami, aux États-Unis. Voilà. Alors, je dirais que je n'ai pas opté pour la Zumba, c'est plutôt la Zumba qui m'a choisi. Je l'ai découvert par pur hasard en remplaçant une des profs dans une salle où je m'entraînais. Et c'est de là que les adhérentes ont vraiment tenu à ce que je fasse les cours. Reviens, fais-nous les cours. Et par la suite, j'ai voulu vraiment être certifiée, avoir un diplôme. Je l'ai fait. Je suis partie à l'étranger. Ma première formation était à Paris. Je l'ai fait avec une certaine Clotilde Martin qui est ZES, la Zumba. Enfin, ZES, ça veut dire Zumba Education Specialist. C'est ceux qui forment les instructeurs. Et donc, je suis devenue ZIN, Zumba Instructor Networking, depuis novembre 2014. Et voilà, depuis j'exerce et voilà, donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est elle qui a opté pour moi. Donc voilà. Mon secret, je dirais que c'est en premier, c'est mes clientes. En fait, parce que des fois, je suis tellement fatiguée à force de travailler toute la semaine parce que ça me fait gare la semaine où on a un rythme. Donc le feedback que je vois fait mes clientes me donne hadik la dynamique, hadik l'énergie pour pouvoir poursuivre. Et je dirais aussi qu'il faut garder une hygiène de vie assez saine. Elle dit oui, c'est très important. Alors, même modèle. En premier, c'est sûr que ça va être le créateur à la Zumba, Beto Pérez, li hedrna alih tout à l'heure. En second, il va y avoir des S, ce sont les Zumba Education Specialists, ce sont mes mentors, ceux qui m'ont formé. Je vais citer les noms si vous permettez, ça va être Herman Melo, l'un de mes premiers formateurs. Dernièrement, j'ai découvert une S qui est encyclopédie. C'est une certaine Karine qui vient du Québec. Voilà, il y a une Loretta Bates. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à découvrir, vraiment à faire des recherches et à découvrir parce que c'est des personnes vraiment qui ont réalisé certains rêves. Belek, ce n'est pas des personnes uniquement du métier du fitness, mais ils ont percé dans le domaine. Alors, R&B, allez, oui, ça parce que c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite, c'est ça. Donc, je vais dire qu'un cours de Zumba doit être composé à 80% de rythme latino. C'est la structure, t'as le cours, on est obligé de respecter la structure, t'as le cours. Après les 20% qui vont rester, chaque prof, il est libre de faire le rythme qu'il veut. Et je pense que, en quelque sorte, c'est ça qui a fait ma réussite. J'ai voulu intégrer la touche algérienne, orientale, maghrébine. Voilà, je dirais elle est oui, marocain, oui, j'aime bien marocain, elle est oui, regarde, oui. On a vu déjà que le créateur du concept c'est un homme, donc elle est destinée à toute personne unisexe, femme, homme, enfant, de 0 à 75 ans, parce qu'il y a plusieurs spécialités flazumba, l'ikonan hablo liha tout à l'heure, tout au début. Flazumba, il y a plusieurs grades, donc par exemple on a la Zumba Gold. Zumba Gold, c'est pour les personnes âgées. D'accord, on a la Zumba Kids, c'est pour les enfants. On a Zumba Kids Junior, c'est vraiment pour les enfants de 4 à 8 ans. On a Zumbini. Zumbini, là, on parle vraiment de 0 à 3 ans. C'est vraiment, c'est pas de la danse. Là, ça va devenir vraiment découverte d'instruments musicaux, c'est-à-dire préparer l'enfant au cours de Zumba Junior, de Zumba Kids Junior. Donc, on a plusieurs, c'est vraiment vaste. Hula hoop,
là, je vais dire, j'ai la chance d'exercer, enfin, j'ai la chance de faire de ma passion mon métier, donc c'est les deux à la fois, oui. Alors, je dirais oui et non. En fait, parce que les mentalités divergent en Algérie, on va rencontrer certainement des personnes l'iradie et bloquées ou comme des personnes qui vont nous encourager parce que c'est un nouveau truc, c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle discipline. Hna gadna nعرفو غير le foot. Le sport, tu sais غير le foot. Donc, on évolue, le monde évolue, on est dans des temps nouveaux. Donc c'est sûr qu'il va y avoir de nouvelles disciplines et qu'il y a des personnes qui respectent la discipline comme étant un sport complet, comme il y a des personnes qui ne respectent pas, qui chauffent le mra, oui, le mra, elle se met en... elle s'expose, des vidéos, non, c'est pas bon, là, c'est pas notre société, elle est pas comme ça, notre culture, elle dit pas ça. Mais non, moi je dis que c'est un sport complet, à part entière, qu'il faut respecter. C'est-à-dire, la semaine, c'est-à-dire ce que je donne, c'est un truc positif pour les gens. C'est pas un truc. Tout au contraire, c'est du sport. C'est pas que pour le physique, c'est aussi pour le moral. Donc, je vais dire que l'avenir nous le dira. Donc, Nchoufou, il a, ça va évoluer ou pas. Alors, mes ambitions. En premier, je vais dire, là, ça va être un petit peu drôle. Bon, j'ai pas envie de quitter l'Algérie. Adem, j'ai envie de rester avec mes adhérentes. Je vous aime bien et tout ça. Mais j'ai envie que, en fait, Zumba, la compagnie Zumba et le créateur de la Zumba, Yisma Blikeynes, en Afrique du Nord, le Maghreb, qui aimerait bien représenter à l'international avec toi, Beto Pérez, la Zumba et porter le drapeau algérien. Je dirais que ça, c'est l'une de mes ambitions. En second, je voudrais initier le maximum de personnes à la Zumba, et notamment les hommes, parce que non, Zumba c'est pour les femmes. Non, messieurs, la Zumba elle a été créée par un homme, donc c'est unisexe, c'est pour tout le monde. Voilà.